une petite vidéo parce qu'on va bientôt se quitter puisque je vais partir bientôt en vacances. Donc je vais vous parler de mes indispensables de cet été que je vais prendre dans ma trousse. Alors d'abord je vais commencer par ce que je vous ai présenté avant. Je vais prendre ma petite trousse là de soins parce que comme le temps est un peu plus frais, je mets ça en ce moment. Voilà. Que j'alterne bien sûr avec la crème The Body Shop. Voilà le sorbet que je vous ai parlé, à la vitamine E Aqua Boost Sorbet. Voilà, j'ai rien sur la peau, je suis pas maquillée. Hein, voilà, c'est à l'aise. Hein. Voilà, celle-ci, je l'utilise plus quand il fait chaud. Alors, avec ça, bien sûr, ma petite pince, là, c'est pour les sourcils. Hein, ça, tout le monde en prend. Hein. Avec ça, je vais prendre l'Ixy Mix de Bourjois. C'est mon fond de teint couleur vanille. 52. Alors, je vais mettre un poil que j'aime bien parce qu'il est moyennement couvrant. Il unifie le teint sans le... sans que ça fasse plâtre. C'est assez léger. Je peux en mettre parce que de toute manière, j'ai rien. Alors, on met pour un peu unifier le teint. Je trouve que... je crois qu'il se fait plus, mais c'est un très bon petit produit. Vous avez dû le découvrir, l'Ixy Mix de Bourjois. Il est aux vitamines de fruits. Voilà, je fais ça rapide, moi, parce que j'en ai pas beaucoup. C'est à la base d'abricot pour l'éclat, booster d'éclat, melon, hydratation, pomme antioxydant, gingembre, tonus. Voilà, c'est marqué. Là, je trouve qu'il est, il est sympa. Il est, voilà, vous voyez, il unifie sans couvrir. Après, bien sûr, je prends mon petit... Clarins, stylo pour les crayons Clarins, la couleur Soft 3, Soft blond, oui parce que je suis plutôt dans les blonds là, j'ai un peu éclairci, c'est pour cet été. Oh, en même temps je fais un truc maquillage, hein. Et rapidos, montre. C'est moins facile en caméra. C'est histoire de les épaissir un peu. Bon, là c'est fait parce que à l'arrache. Je prends bien sûr ma petite trousse léopard. Voilà. Donc, je me sers souvent pour les vacances avec le petit pinceau. Oui, je me baisse parce que j'ai tout mis par terre. Et mon petit pinceau Agnès B. Voilà, un petit côté pour appliquer, un petit côté pour estomper. Petite trousse léopard qui se présente comme ça. Qui n'est pas très chère hein, dans la marque Famous X. Donc je mets souvent le petit marronné là, hop là, sur la paupière. Ouais, je mets souvent comme ça moi, sans base, hein, ça fait. Ouais, ça peut être très rapide. Un peu en haut pour unifier. Un poil en bas. Le doré là, hop, alors c'est vraiment le maquillage de tous les jours. Voilà le petit sépia là, on va dire au coin là, hop, voilà. Et le petit bordeaux là, hop, la vue. Hop.
Et on va utiliser le petit argenté là, en coin externe. Voilà. Généralement, après ça, je redessine un peu les sourcils. Ou mettre de la cire pour les tenir. Moi, je le fais pas. Mais... voilà. Et hop, ça, c'est vraiment un maquillage à l'arrache. Après, bien sûr, je vais prendre mon petit contour des lèvres cerise. Souvent, je prends cerise, Agnès B, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Voilà, au préalable, un des meilleurs baumes que j'ai trouvé en parapharmacie, c'est l'Amilab. Il est passé avant, voilà, vous le trouverez souvent en kit réduction, il est très hydratant. Après, pour les sourcils, en ce moment, les sourcils, les cils, voilà, j'utilise le So Shocking d'Yves Saint Laurent. Là, j'ai eu en promotion en teinte 2, j'en suis folle de celui-là. Il fait des cils de ouf. Moi, ouais, j'ai pas de cils et j'aime bien que ça se remarque. Voilà, ça peut être brossé comme ça. On va essayer de le faire en caméra. En zigzag. Voilà, alors, hop. Voilà. Il est très épais, hein, c'est utilisé très vite. Il sèche. Après, un de mes rouges à lèvres préférés, c'est le rouge aromatique 165 Champs-Élysées, qui fait une très jolie mine. Ça se présente comme ça. Voilà. Vous voyez, il est de cette couleur-là, il illumine tout de suite le regard. Là, c'est moins marqué parce que j'ai hydraté les lèvres avant. Voilà. Un de mes petits chouchous pour me démaquiller le matin, c'est Soin de la Roseraie 3 en 1. Je l'adore celui-là pour le matin. Que j'alterne avec le Funny Bee. Swimming Morning, parce qu'à la mousse, que je ne fais pas tout le matin, surtout l'été, parce que il exfolie bien la peau, ça rafraîchit. Alors, mon petit shampoing sec, bien sûr, Baptiste, c'est l'original celui-là, pour pas laver les cheveux tous les jours. Voilà, là, en ce moment, je suis en train d'essayer deux shampoings, un après-shampoing, il n'y a pas de marque, parce que je fais partie d'un panel de consommatrice, de testeuse, qui fait les cheveux très doux. Le shampoing, qui sent le frais. C'est dommage que je ne connaisse pas la marque, mais ça, c'est pour tester. On va demander mon avis tout à l'heure. Et ça, c'est l'après-shampoing que je vais embarquer, qui est une sorte de crème, vous voyez, qui fait les cheveux très, très, très doux. Je l'ai utilisé là, aujourd'hui. Après, mon petit contour des yeux, bien sûr à la roseraie, que je n'ai pas changé. Le petit thé vert de l'Occitane pour les mains, que j'adore cette texture parce que c'est un gel. Voilà, c'est un gel frais pour l'été, qui est très sympa.
C'est moins crémeux que d'autres marques. Hop, je prends dans le désordre. Après, j'adore mon petit soin Vita Oxygène dont j'avais parlé pour le cuir chevelu que je fais quand j'ai le cuir chevelu irrité que j'ai acheté chez le coiffeur. Je l'ai repris. C'est un petit spray, je vais vous montrer ça. Je cherche la coupon. Voilà, ça hydrate le cuir chevelu, ça enlève les descamations. Pellicule, voilà, et avec la petite pompe, vous mettez ça sur le cuir chevelu et vous massez. Et ça vous réhydrate le cuir chevelu irrité, ça vous l'apaise. Et ça donne en plus du tonus et du volume aux cheveux. Voilà, avec ça, ma petite, j'en parle jamais, mais mon dentifrice Méridol, là. Là, c'est pour les gencives irritées. Ça, c'est, moi j'ai les gencives qui saignent tout le temps. Alors c'est, moi je prends jamais des dentifrices pour blanchir les dents et tout ça parce que c'est très agressif pour les dents. Après j'utilise en ce moment la crème de nuit Saucinte, donc je ferai une revue plus tard. Voilà, lumière de nuit. Je vous en parlerai quand je l'aurai utilisée pendant quelques temps. Voilà, c'est dans un gros pot. Comme ça, voilà, c'est Écossaire, c'est un hydrate et répare, son anti-âge toute peau, 99% total d'ingrédients sont d'origine naturelle, voilà, et il y a la date de péremption, septembre 2015, qui est par là, que vous voyez, et il y en a encore pas mal, hop là, je vous montrerai, il y a un petit opercule de sécurité. Et ça se présente comme ça, que je passe toutes les nuits sur le visage. Et je vous en reparlerai à la rentrée de ça. Après, qu'est-ce que j'ai oublié? Mon petit blush, bien sûr, j'en ai pas 50. Puisque moi, j'ai investi, comme vous savez, pendant les soldes Yves Saint Laurent. Ouais, ça brille toujours. On va faire de loin comme ça. C'est le blush Radiance, le 4. Ouais, excusez-moi, tu as un problème avec Yves Saint Laurent, qui est un petit rose comme ça, en 4, un mat et un irisé. J'utilise moi le petit pinceau qui va avec. Je fais bien sur le... là. Voilà. Mais je trouve qu'il donne bonne mine tout en étant naturel. Bon là, avec la lumière, c'est mieux. Voilà, alors voilà, petit pinceau qui est bien pratique. Et ma petite poudre, toujours la même, la poudre Dermophile stérilisée de Thé Leclerc de Voyage, que je vous avais montré, qui est pop lumière, avec un lilas, un abricot, un rose, un lilas abricot, un rose et un pêche, on dirait, moins sable, voilà. Que je prends toujours en voyage, qui n'est pas fini, ça a des lustres que ça dure, avec la petite toupette Thé Leclerc. Là, c'est un peu comme Givenchy, je crois, qu'ils font dans ce style-là. Et voilà, il y a quatre petites poudres de différentes couleurs. Vous mettez sur la pète. Hop. Ça se prend comme ça. Et vous tamponnez. Normalement, je fais la moitié du visage avec la pète. Voilà. Et l'autre moitié. Et ça matifie le visage pour une bonne partie de la journée, on va dire. C'est une de mes poudres favorites. Voilà, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible, que je n'étais pas maquillée. Et puis c'est tout, j'ai tout passé. Allez, gros bisous, je vous mettrai tous les noms sous la barre d'infos. Allez, bisous.